Salut à tous, c'est Okonet, bienvenue sur League of Legends. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Aujourd'hui, j'accueille un abonné chez moi. Donc, c'est un Québécois parce que j'habite à Montréal pour ceux qui ne savent pas. Il habite aussi à Montréal, donc il est Québécois, il a un accent Québécois. Ça peut vous surprendre, mais vous inquiétez pas, vous allez comprendre normalement. Il est aussi bronze 1, donc évidemment, respectez-le. C'est quelqu'un qui joue pas extrêmement bien, du coup, vous avez compris. Mais on est là pour le coach, on va essayer de voir un petit peu les erreurs. Et de toute façon, la game se passe très bien. C'est quelqu'un qui joue plutôt bien, mine de rien. Vous allez voir, c'est assez sympa. Autre chose, au niveau des runes, c'est pas ça, hein. Il est habitué avec des runes différentes et je viens de comprendre pourquoi. Et en fait, il est bronze 1. C'est parce que on a fait pas mal de games et il se trompe souvent de runes et vraiment, ça compte pour beaucoup. Les runes, le build et les sorts d'invocateur, c'est 50% de la game. C'est vraiment trop trop important. Donc allez sur un site comme you.gg pour vous assurer que vous achetez bien les bons objets, que vous avez les bonnes runes. C'est très très important, c'est 3 clics, ça prend 3 secondes. Même moi, je l'utilise quand je joue un champion que je ne connais pas, par exemple en ADC ou à la top lane, et ça me permet de voir un peu ce que je peux prendre. Ça peut vous donner une base en fait. Donc pensez à ça. N'oubliez pas, il y a le coaching viewer aussi aujourd'hui, vers 18h, 18h30 je crois. Il y a bronze, silver, silver, gold et gold plate. Tout le monde peut participer, c'est gratuit. Il y aura tout quand il y aura Zaj, des coachs beaucoup plus expérimentés que moi. Donc bonne vidéo, bonnes vacances. Et à tout de suite sur Twitch, bonne vidéo, ciao. La midlane c'est toi, elle est gagnée. Ah ouais, la scène bien, bien vu le mec. Il est streamer, c'est bon. C'est bon mec, je te loue ma chambre. Quand tu veux stream, et hop. Ok, tu te mets là, c'est bien. Ça qu'on veut voir, ça c'est bien ça. Donc là on va partir sur un séculaire. Zhonya, simple, efficace. Juste pour enlever son shield. Ouais ouais, c'est bien, c'est très bien ce que t'as fait. S'il fait l'erreur de dash sous tour, bah, tu le détruis. Sinon vous êtes... Ouais, il fait un petit peu le fou. Laisse le push. S'il fait un petit peu le fou, tu fais ma petite technique très très compliquée, hein. Tu demandes de l'aide. Ping, help, et c'est parfait. Ok, tu vois, ça a besoin d'aide là-bas. Tu peux peut-être balancer un W. Prends le canon, si tu peux. Ok, dommage. Bah, celui-là, il y a... Oh, t'aurais pu flash à travers. Ok, c'est pas mal. Quoique. Oh, quoique, vas-y, tu peux te faire ton truc. Clic droit. Ah, dommage. T'aurais pu sauver un Mumu. Ah, il y a dit word. Non mais word. Franchement ça passe. C'est moi qui étais un petit peu gêné. Ce que je t'ai dit, reviens sur la lane. Je pensais pas que le Yasuo allait se retourner en 1v3. Genre j'ai pas trop compris. Profite de ton red, de ton blue buff. Ouais, Yasuo est trop cave. Tu devrais être safe. Yasuo au cave. Ouais, ok, il y a ton MMU qui arrive. Ignite. Ok, tu le tues. C'est bon, GG. Oh, gagne du temps, salut. Gagne du temps. Non, flash pas. Ton MMU était là. Ok, c'est pas grave. Surtout là, t'avais tout. Les double buffs, tu faisais auto-attaque. Il allait jamais te tuer, t'avais une potion. Il était mort. Vas-y, abuse, potion. Oublie pas les auto-attaques, mec, quand t'as un red buff, c'est trop trop fort. Hein. Surtout au début là. Bien joué. Là, j'étais un 2 kills, c'est pas tant pire. C'est pas tant pire, indeed. Ok, ça passe, pas mal. Ah, oh, tu pouvais pas clic droit? Non. Sérieux? Non. T'avais un E là. Hein. Ok, voilà, ça dégage ça. Let's go. Tu vas avoir ton catalyseur premier back. Tes ward, les bots, voilà, contrôle ward, parce que là ça va te camp, hein. Là ça va te camp, tu me prends deux potions, allez let's go, c'est parti. Waouh, 3 c'est trop. Oh, monsieur est riche, hein. Mais on essaie d'économiser quand même un petit peu pour le séculaire, pour l'avoir vraiment très très vite. Genre 12 minutes le séculaire, c'est quand même stylé. Là je crois que t'as 2-3 erreurs qu'on revoit souvent. Vision, tu devrais faire un petit peu plus de vision. Parce que je sens que si je te dis pas de contrôle ward, t'achètes jamais de contrôle ward. T'es souvent stacké à 2. Des fois tu peux engage et t'hésites parce que tu connais pas encore assez bien ton champion, mais avec Swain c'est déjà mieux. Là il fait des erreurs, là limite franchement t'aurais pu l'engage, hein. T'avais un niveau de plus. Ouais mais je voulais attendre pour mon flash. Et bah Osef, hein, il avait pas de E, franchement tu lui forçais. Là go, R, tout de suite. Et là tu le suis, Q, Osef, t'inquiète, tranquille. Voilà, hop, allez, petit R. Petit E, hop, petit Q. Mais... Et boum, et boum. Mais oui, mais il y a trop de CD. Osef, mec, c'est bon, tranquille. Je lui dis rien sur ses runes parce que je lui ai dit prends électrocute sur Diana, il m'a insulté mes morts. Du coup, il va prendre comète de mort sur son Swain et il se démerdera. Parce que tu sais que les runes, ça fait beaucoup de choses. Hein. Et c'est pas les meilleures runes que tu as actuellement sur Swain. You.gg, ma gueule. Tu vas sur you.gg, tu tapes Swain et boum, t'as le build, mec. Oui, baguette explosif. Contrôle ward parce que elle va se faire enlever probablement. Ah, toi. Lui, tu peux le déchirer. Hop. Oh, waouh. Ok, j'ai pas. Je préfère voir un ignite
prématuré, un peu plus précoce que jamais que tu le fasses, tu vois. Je préfère voir ça que quelqu'un qui ne le fasse jamais, en fait. Donc en vrai, ça passe. Puis tu le mets mal, hein. Tu le mets mal, il va devoir back. Regarde, Amumu, en fait, là, tu viens d'aider Amumu de ouf, hein. Il est en train de prendre toute sa jungle, hein. Donc c'est très bien ce que t'as fait, t'inquiète. Ok. Hésite pas, là, tu vois, t'as l'avantage de ouf. T'as deux niveaux de plus, t'as le stuff en plus. Fais chier, SUO, genre. Tu sais que Olaf est pas là, il a back, il a plus beaucoup de points de vie. Oh, il a fait un bon rôle, il a fait un bon rôle. Là, tu peux R. Go, 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 tu le suis. Tu le déchires. Il va te W, mais Osef, bien joué, bon flash. Hey, easy. Tu vois, hésite pas. Quand t'as l'avantage, faut quand même prendre l'avantage, quoi. Ah, ok. Hésite pas. Là, si tu jouais safe, c'est pour ça que tu carry pas, en fait. Là, tu vois, t'as le potentiel de carry. Alors, carry, tu vois, t'es bon. T'as les mécaniques, c'est bon, t'es bon. Ton flash, t'es propre. T'as esquivé sa tornade, c'était propre. T'es capable. Ok, go. Go back. On prend le séculaire. Attends. Oh. 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 Oh, Starfall, il est bien placé. Non. C'est bien. Mais non, mais c'est bon, il va mourir. Parce qu'il va devoir dodge. C'est Amumu qui va le finir. T'as fait ton taf. C'était très. Tu pouvais pas le mieux placer. C'est soit. Il allait mourir. Soit par toi, soit par Amumu. Par contre, il faut vraiment. Back. Prends la wave et back. Non, juste back. Bah, c'est parce que là, t'as de la mana et tout. Genre, et Yasuo est pas. Oh oui, j'ai de l'assist. Bien joué. Feels good, mate. Allez hop, tu m'enlèves tout ça. Mon soin est dégueulasse, mon soin. Bien joué. Moi, franchement. Je pense que t'es un petit peu bloqué par ta sensibilité qui est vraiment très très haute, mais j'ai l'impression que tu gères. Évidemment, bah le. Bah, juste. Caméra lock, évidemment, mais si t'es pas capable, si tu ne peux pas, bah tu ne peux pas, tant pis. Les idées reçues, des fois, c'est pas ouf. C'est bien, fais le chill là, tu vois, t'as l'avantage. Tu peux mettre une ward ici. Très bien, c'est bien. Là, il faut que tu montes ta dominance, mec, parce que tu peux 1v2. Ça, là, c'est tu vas essayer de push vite. Et tu vas essayer de décaler. Pike, il est là, on va avoir une free win. C'est pas mal. Là, mon conseil, vu que t'as tellement d'avance, hésite pas à push et décaler. Le Yasuo, au pire, tu détruis les... Mais là, tu te rends pas compte, mais tu peux tellement le déchirer. Là, c'est bien, il vient de faire son truc, c'est pas mal. Ok, pas mal. Ok, top, ça commence à mettre de la pression, donc continue à mettre de la pression mid. Ok, parfait, go ult, voilà, très bien. Il a flash. Tu peux ping de l'aide pour ton équipe, pour qu'ils voient comment ça se passe. C'est pas mal, ça touche, c'est bien. Oh là là, le 2 qui touche, ah, c'était beau ça. Bien joué, très très bien joué. Ton W était bien placé, ton E était vraiment max range. C'était beau gosse. Le Yasuo, il peut pas vraiment jouer. Il faut que t'abuses de ça, en fait c'est comme ça que tu vas carry tes games. Il te fera rien. T'as un séculaire, mec, t'inquiète pas. Tu prends des dégâts, il va te redonner de la mana. Y'a aucun souci. Voilà, très bien, très. Oh, ah, ça c'est dommage. On peut prendre la tower. Ouais. Et t'as ton R dans 5 secondes, essaye de tempo, ouais. Q. Ok, ult dès que tu peux ult. Bien joué. Voilà, t'as ton E. Bien joué. Hop, c'est mort. Puis t'as ton R, voilà. Très bien. Bien, wesh. Ça va sûrement FF soon là, je pense. Tu vas prendre ton début de Zhonya comme tu sais. Tu vas pouvoir prendre ça. Pour une fois qu'on gagne. Je pense que tu peux. Oui, tu vas t'acheter aussi la stopwatch avec. La stopwatch, j'utilise jamais, j'oublie que ça existe. T'inquiète, je vais te le rappeler. Ok, il y a du mouvement à la mid lane. Essaye de farmer très très vite ça. Là, tu vois, quand tu quittes une lane, essaye de balancer un sort à la fin. Tu vois, tu vas perdre 2 secondes, mais au moins t'auras les minions, genre. Donc pense à faire ça. T'as ton ultime dans 45 secondes. Non, pourquoi Momo il t'a dit non. Okay. Oh! Ouais, le E est pas mal, bien joué. Il faut que tu te gueules le Yasuo. Ok, c'est pas mal. Oh là là, les bons dégâts. Le Queen aussi fait pas mal de dégâts. T'as voulu prendre la lanterne? Bah, ça serait drôle. Allez, vas-y, je vais prendre la lanterne de. Oublie pas, quand tu sens que tu vas te faire catch et que tu peux rien esquiver, fais ton R comme ça peut tempo quelques secondes en plus. Va aider ton. Ouais, c'est pas mal, R tout de suite. Et stop, touche 2. On va tempo au milieu là, c'est pas mal. Ah, c'est bien. Voilà, repositionne-toi, très très bien. Ok, c'est pas mal, c'est très très bien. C'est bien, tu te positionnes vraiment bien, tu fais des petits allers-retours, c'est parfait. C'est très bien là, c'est très bien David là. Mais après, moi j'avoue que là je te fais chier avec les contrôleurs parce que je suis quelqu'un qui ward énormément aussi. Hein. Pour moi, la vision, ça fait tout le jeu, genre. C'est vrai que moi c'est très rare que je ward. A word. C'est dur d'être dans la même game. Ouais, très très bon W. Oh là là, le W, tu forces le flash, elle a failli se le prendre, t'as trèche à droite, fais gaffe. Donc là, mets-toi devant, essaye de défendre le héros de la faille, si ça push, t'as ton ange gardien. Mon ange gardien. Vas-y, go. Touche 2 Zhonya si besoin.
T'as pas encore besoin. Ok, zone y'a maintenant. Voilà, t'avais l'aggro de la tour, c'est bien. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... Ouais, fais gaffe. Repli. C'est pas mal, tu fais des très très bons dégâts. Ça ne suffira pas. Il manque une équipe là. Putain, mais où est ton équipe? Qu'est-ce qu'ils ont foutu? What the fuck? Okay, la queen vient d'arriver. La queen va pouvoir peut-être clean up. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, en fait, tu vois, là, t'as fait un taf monstrueux parce que franchement, tu les as mis très très low. À toi tout seul, presque. Est-ce qu'ils sont vers l'ascenseur magique ou pas? Non. Non, ok, du coup, là, en vrai, un Riley contre eux, c'est insane. Et le cas de Riley prends une baguette explosive là. Va warder un petit peu le baron. On va mettre ta contrôleur. Attends, va à droite là. Et mets ta contrôleur dans ce buisson là. T'inquiète. Tu vas mettre ta contrôleur ici. Ok, des wards. Et s'il y a un mec qui arrive, tu le déchires. Là, il y a forcément un mec qui va arriver. Hein. Prépare-toi, mec. Oh, le pigeon. Et voilà, boum. Eh, les contrôleurs, mec. Vas-y, bouffe-le. Ok, c'est bon, il a flash. T'as plus de vision. Non, fais gaffe, fais... Ok. Oh, la Kalista ult. Le ult, mais aucun souci, aucun souci, c'est bon, ça se passe. Bien joué. Tu vois les contrôle ward ou pas? Tu comprends maintenant le principe? Pourquoi j'en achète tout le temps? C'est parce que c'est ultra cheesy en fait, tu peux surprendre de ouf. C'est comme ça que tu carries, mec. Avoue, il donne envie de jouer Swain, de ouf, hein. Pas sûr que mon niveau donne envie de jouer grand personnage à tout le monde. Il a l'air vraiment fun. Là, il y a du mouvement à la top lane. On va aller take ça ici. Tu peux warder aussi, soit dans ce buisson ici, ouais voilà, soit dans l'autre un petit peu plus à droite. C'est un peu risqué, mais oui, t'aurais pu le flank sur la droite. Voilà, très très bon eux, très bien, parfait. Easy peasy. On est en 9-1-8, 17 de KDA. C'est David sur Swain. La Irelia en bas, fais gaffe, elle va flank. Ouais, je sais, mais je l'attends. Tu l'attends? T'as ton ultime dans 25 secondes. Y'a ta ward. Tu vois la ward? La ward, mec! Elle était cachée dans le buisson, elle pensait pas qu'il y avait une ward. La vision, les gars. Achetez des wards. Oh là là, ça s'enchaîne! Easy, t'as ton ultime soon, t'as 1600 gold. Allez prendre cette inhib, ce serait bien. Y'a 3 morts. Y'a Thresh qui arrive bientôt. Ouais, c'est ça, va le prendre les minions. Easy. Hésite pas à y aller un petit peu YOLO là. T'as ton ultime, t'as le Zonia. Hésite pas à prendre les devants, genre. Vas-y, go devant là. Là, t'es trop backlane là. Vas-y, va les aider. Finis la tour, t'as bien fait, tu fais bien. Ok, vas-y, c'est bien ça. Voilà, très très bien. Voilà, Zonia plus tard si tu veux. Très 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 bien joué. On va prendre l'inhib. Voilà, 4 morts. Y'a juste un mec en vie, c'est lui. Vas-y, go. C'est bien, tu te décales, t'as encore ton E, t'as voulu l'esquiver, c'était bien, ton sidestep était propre. Parfait, let's go, l'inhib. Ah, quoique, 4 secondes, non, si vous pouvez finir, ouais. Il y a juste Thresh qui revient. Mets-toi devant pour Thresh, parce qu'il va faire chier ta queen. Voilà, mets-toi devant. Ok, dommage. Aïe, vous allez pas pouvoir finir, fuis, non, fuis. Le KDA! Là, en fait, t'aurais dû te mettre vraiment beaucoup plus devant. Ouais. Pour que justement la queen se mette ailleurs. Mais la queen t'a suivi, genre, c'était pas normal. Mais j'avoue que vous auriez pu finir. C'était un peu chaud, mais c'est pas. Non, en vrai, dimanche. Oh là là là! Oui! Enfin! GG, ma gueule. Évidemment, YouTube. Première game, première victoire! Tu vois, mais je vous soigne, mec. Tu vois, je vous soigne. Ah, dégueu. Bon, en vrai, cette game, GG, David, a été super stylée. C'est marrant parce que tu vois, tu commences à avoir des réflexes, des contrôle wards. Tu vois, je te fais chier. Non, c'est justement pour le hobby. T'as vu le buisson. Mm-hmm. Mais à partir de là, t'as vu comment ça s'est enchaîné? Oui. Parce qu'en fait, t'as tué un mec à un endroit où t'étais proche en plus des autres objectifs. Du coup, t'as pu enchaîner des trucs. T'as tué Yasuo avec la control ward, vous avez tué Irelia grâce à ta petite ward. La vision, bro. Regarde, monte ton score de vision, s'il te plaît. C'est dégueulasse. Ouais, peut-être Osef, Graf, ouais. Montre, vas-y, enlève le total damage en haut. Vas-y, va tout en bas. Montre les control wards que t'as acheté. Non. Presque premier vision de score. T'es à ça du support, mec. Vas-y, enlève la vision de score. En face, ils ont acheté une control ward. Je te jure, ils ont perdu à cause de ça. Je te jure, ils ont juste perdu à cause de ça. Ils ont pas une putain. Les bronzes qui regardaient là, les silver là. La vision, les control ward achetés, putain.
Ça coûte pas un bras. c'est un ordre. Mec, je te jure que t'as gagné avec ça. Bien joué. Non. Bon, pas mal sûr que c'est ma connaissance du perso aussi. Ton soin était bon. Petit bémol, évidemment, tu vois, quand t'avais l'avantage, prends l'avantage. Évidemment, pas non plus d'excès de confiance de ouf, mais hésite pas à prendre l'avantage. T'avais deux niveaux de plus que le Yasuo, juste YOLO. Le Yasuo, en fait, pour ceux qui disent qu'il était pas très bon, il a passé une super mauvaise game, en fait, parce qu'il a voulu aider son jungler au début. T'es arrivé en même temps, il est mort et tout. Franchement, t'as récupéré Blue Buff, tu t'es super bien mis au début. C'était une bonne game, c'était une bonne game.